Il y a peu, la municipalité d'Algrange a offert du chocolat pour les résidents des EHPAD Vitaine et Belvédère ainsi que des fleurs pour le personnel. Occasion a été donnée au personnel des EHPAD algrangeoises de remercier la municipalité, les nombreux bénévoles pour la confection de masques, commerçants, artisans locaux ou encore entreprises qui leur ont fait preuve de générosité. Merci également pour tous les dons que nous avons pu avoir, que ce soit sur du matériel, des masques, des gants, aussi bien par des particuliers, des associations. On a eu des associations aussi qui nous ont offert des tablettes justement pour pouvoir poursuivre notre lien social. Donc des associations du secteur, mais aussi des associations étrangères. On a une association du Luxembourg qui nous a fait don de tablettes également. Donc merci à tous ceux qui, parce que j'en ai oublié certainement beaucoup, tous ceux qui ont participé à cet élan de solidarité. Alors on tient à remercier également Monsieur Sylvain Relativo qui est traiteur sur Nilvange, qui a eu la sympathie de nous offrir également des petits plats préparés pour les soignants. On remercie aussi beaucoup le Super U d'Algrange qui a répondu présent à l'appel et qui ont offert également pour les soignants des chocolats et des viennoiseries, ainsi qu'une pizzeria chez toi d'Algrange qui a également joué le jeu et livré des pizzas au personnel. Et le tacos également, visiblement. Donc on vous remercie tous. Et puis pour les autres, n'hésitez pas à continuer, à venir nous voir. On prendra avec plaisir tous vos cadeaux. Et merci aux Algrangeois de jouer le jeu et justement de faire travailler tous ceux qui nous font tous ces dons. Parce que c'est vrai que cette pizzeria et ce restaurant à tacos qui livrent gratuitement les soignants justement qui ont eu une journée épuisante et éreintante et qui n'ont pas envie de rentrer pour cuisiner ou qui n'ont pas eu le temps de faire les courses. Donc ils offrent tout ce qu'ils peuvent. Donc c'est bien aussi qu'ils puissent les personnes qui habitent à Algrange en tout cas jouent le jeu en faisant travailler ses commerces, pardon. Aussi, j'en profitais, on a une petite chose importante aussi, tous les bénévoles, les salariés qui nous ont fait les masques. On a eu pas mal de familles ou de bénévoles ou de salariés qui ont joué le jeu et on en a reçu une quantité sympathique. Donc merci à eux aussi d'avoir donné de vous. Voilà.